Bonjour le grand Abou. Le grand est incontestable, Madou. Comment vas-tu? Je me porte bien, alhamdoulilah. Ouais. Madame et les enfants, j'espère qu'ils se portent bien. Dieu merci, ça va. Prends place. Quel est-vous l'honneur de cette visite? Je vous apporte des cadeaux de la part de Bafu, le maire de la commune. Ah bon? Oui. Tiens, c'est une enveloppe de 100 000 francs. Il est à toi. Tu m'attends tout ça pour moi? Oui, pour toi c'est bon. Et les cadeaux qui sont dans les sacs sont aussi à toi. Du thé, du sucre et des habits aussi. Et Marou, seul Dieu sait à quel point tu m'as aidé aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. En contrepartie, tu n'as qu'une seule chose à faire. Et laquelle? Voter pour Bafi lors des prochaines élections. Seulement ça? Rassure-toi, je ne voterai que pour Bafi. Il est le maire de la commune et il le restera. Je voterai pour lui. Sois-en sûr. Ah ok, là, merci. Nous comptons sur toi. Fais ce que je te demande et tu auras beaucoup de plus après l'élection. Il n'y a aucun problème. Bon, bon. Merci, moi je demande la route. Déjà? Oui, il y a des commissions à faire. Bonne journée, Mabou. Merci. Et bon encore bon merci. Bonne journée à toi. Bonjour, tonton Chokma. Bonjour, mon enfant. Comment vas-tu? Je vais bien, Dieu merci. Prends place. Je t'écoute. Je suis là pour une bonne cause. Je viens vous offrir des cadeaux de la part de M. Bafi en signe de générosité. Il veut que vous votiez pour lui lors des prochaines élections. Madou, n'as-tu pas honte d'aider Bafi dans son achat de conscience? Mais comment ça, tonton Chokma? Qu'est-ce que Bafi a fait depuis qu'il est élu? 5 années en tant que maire, il ne fait que manger l'argent du contribuable, vendre des terrains, l'éducation, n'en parlons pas. Non, ne vous en faites pas. Cette fois-ci, quand il sera élu, il y aura un changement dans les choses. Bafi a-t-il l'air de quelqu'un qui veut faire quelque chose pour cette commune? Accepter ses cadeaux, c'est une manière de trahir ma commune et gâcher l'avenir de mes enfants. Moi, je préfère voter pour des gens comme Fanta. Elle, en tant que femme, elle veut participer à l'évolution de cette commune et le fait avec dignité. Prends tes cadeaux et va dire à Bafi que je ne voterai pas pour lui. Fanta, ton programme de gestion de la commune est à la hauteur. Elle aidera notre commune à évoluer sur plusieurs plans. Tchenaba a raison. Avec l'aide des femmes de mon association et tous ceux qui ont compris le contenu de ton programme, je suis sûre que tu seras le prochain maire de cette commune. Le plus grand problème, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en moi parce que je suis une femme. En plus, n'oublions pas Bafi. Vous voyez comme elle est en train de soudoyer la population avec l'aide de son collaborateur Madou. Tu as raison. Il faut juste qu'on se concentre sur ce que nous faisons. Les femmes aussi ont leur mot à dire en matière de gouvernance avec tout l'effort qu'on a fourni. Je crois qu'une bonne partie de la population a déjà confiance en nous. Effectivement. N'aie pas peur, ma chérie. Tout va bien se passer. Ok, ma chérie, pas de problème. Continuons d'enrichir notre programme. Ok. Bonjour. Bonjour. Assieds-toi. La distribution s'est bien passée. Pas totalement. Tu ne vas pas y croire. Tu sais, tonton Chokman m'a cherché de celui avec les cadeaux, disant qu'il préfère voter pour Fanta qui mène sa campagne dignement et avec justesse, qu'il ne va jamais voter pour toi. Pourquoi t'énerves-tu pour cela? Son vote en lui seul ne peut pas m'empêcher de gagner à l'élection. Donc,
Ressaisis-toi et continue ton travail. D'accord, si tu le dis, mais un petit souci. Il ne me reste plus beaucoup de t-shirts ni d'enveloppes. Ne t'en fais pas pour cela. Tu sais, j'ai vendu une partie du cimetière et j'aurai l'argent ce soir. Donc, les t-shirts et les enveloppes vont couler à flot. Ah, homme Bafi. Mais non, Monsieur Mab, vous avez la parole. Merci. Bonjour, Lansal. Nous sommes tous réunis aujourd'hui dans cette salle pour choisir le prochain maire de la commune. La personne qui sera choisie doit défendre les intérêts de la population. Comme vous le savez, depuis 5 bonnes années, nous avons comme maire M. Bafin Samagé. Il a fait ses preuves. Un homme solidaire qui sème l'entraîne partout où il passe. Il a aidé beaucoup d'entre nous quand nous étions dans les difficultés et continue à le faire. Je choisis M. Bafin Samagé. Vous avez la parole. Merci madame. Pour moi, je choisis Moussa Diarra, un homme responsable, intègre, qui est toujours à l'écoute des populations et aide beaucoup les pauvres. Madame, vous avez la parole. Merci. Nous avons élu par le passé plusieurs maires. Qu'ont-ils fait pour la promotion et l'autodéfense des femmes? Je suis pour Fanta Damede, qui défend la cause des femmes et les intérêts de la commune. Comment Oumu a-t-elle pu se retourner contre nous de la sorte? N'a-t-elle pas accepté l'argent et le cadeau? Les votes peuvent à présent commencer. Ceux qui veulent voter pour Bafin Samaké, vous pouvez lever les mains. Ceux qui veulent voter pour Moussa Diarra, vous pouvez lever les mains. Et maintenant, ceux qui veulent voter pour Fanta Dembélé, vous pouvez lever les mains. Deux candidats sont à égalité. Le deuxième tour se fera entre Bafin Samaké et Fanta Dembélé. La séance est levée. Quand vous allez voter pour Fanta, vous n'allez plus à avoir peur. Elle va vous donner tout ce que vous voulez, votre jardin. Vous n'aurez qu'à travailler dedans et puis c'est tout. Mais est-ce qu'elle pourra tenir parole? Oui, je vois t'assure. Que les gens ont confiance en toi. Mes félicitations. Merci beaucoup, chérie. Mais rien n'est encore gagné. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Nous devons trouver un investisseur pour le projet le plus phare de mon programme. Nous devons tout faire pour gagner au second tour des élections. Tu as raison. Ne t'inquiète pas, dès demain, on va recommencer la campagne. On va gagner, j'en suis sûre. Ok, a pas de problème. Bon, moi, je vais partir. Je dois participer à une formation dans l'après-midi. Ok, à plus, Djanaba. Mes félicitations, Fanta. Merci. Ok, tu peux rentrer maintenant. Oumu, tu m'accompagnes à la maison? Laisse-moi te féliciter, ou bien. Félicitations, ma chère. Je sais que rien n'est gagné, mais on garde espoir jusqu'à présent. On gagnera au second tour, Inch'Allah. Oui, je suis sûre. Arrêtez-vous. Oumu, n'as-tu pas honte? Inconsciente, prends l'argent des gens et te retourne contre eux. Mad, tu me connais mal. Crois-tu que l'achat de conscience marche avec tout le monde? Rien ni personne ne peut m'obliger à voter pour quelqu'un que je n'aime pas. Voter pour Bafi n'en vaut pas la peine. Hé Oumu, t'entends-tu parler? C'est ainsi que tu traites le maire de ta commune. Mère, qu'as-tu le fait pour cette commune? Seulement courir derrière les jeunes et faire des fausses promesses. Je ne suis pas assez bête pour voter pour lui une seconde fois. Pour moi, il n'y a même pas de maire à Eredou. En plus, pour les 100 000 francs, pourquoi je vais les refuser? Même demain, si tu me donnes, je prends bien. Arrête de parler comme ça, Oumu, toi aussi. Fanta, tu es trop jeune pour diriger cette commune. Il n'est pas trop tard. Retire ta candidature et je t'offrirai une meilleure vie. J'ai de l'expérience, j'ai aussi la tête sur les épaules. Avec la confiance et le soutien des populations, je peux bel et bien gagner ces élections. Ce n'est pas si facile que ça. N'oublie pas que tu es une femme. Personne ne voudra qu'une femme
dirige sa commune. C'est ce que tu crois, Bafi. En tout cas, je préfère une jeune courageuse et expérimentée à la tête des RDO qu'un vieillard corrompu comme toi. La partie n'est pas encore gagnée. Et n'oubliez pas que je suis l'unique et seule maire de RDO. Madou, viens, on s'en va. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien. Allô? Bonjour monsieur, j'ai reçu de l'argent. Merci beaucoup. Non, vous pouvez commencer à construire dès aujourd'hui. Ah mais oui. D'accord, à une prochaine fois, merci. Allô? Ça va, Jennifer? Tu sais, j'ai trouvé un investisseur pour financer le projet de l'espace maraîcher pour l'autonomisation des femmes de RDO. Tu serais déjà sur place. Je passe te chercher à la maison pour visiter le dit terrain. Ok, y a pas de problème. À toutes. On t'attendait, mademoiselle Fanta. Cet homme que tu vois en face de moi prétend être le vrai propriétaire du terrain. Mais c'est impossible. Monsieur, je peux savoir ce que vous faites sur mon terrain? Belle question. Ce terrain m'appartient. C'est mon titre foncier. Non, vous vous trompez. Il est à Fanta. Jeune fille, arrête. Il y a une semaine, j'ai acheté ce terrain avec le maire de la commune. Aussi, avec mon propre argent, donc il est à moi. Mais c'est ce même maire qui m'a vendu ce terrain. Il y a de cela 3 mois. Désolée Fanta, mais je ne peux pas investir dans une affaire louche. Je m'excuse, je m'en vais. Non madame, s'il vous plaît, essayez de me comprendre. Fanta, ne perds pas espoir. S'il te plaît, arrête de pleurer. On va voir ce corrompu de Bafi pour qu'il nous donne plus d'explications. Manani. Pourquoi m'avoir vendu un terrain et ensuite le donner à quelqu'un d'autre? On ne vous a pas appris les bonnes manières. Ce n'est pas toi qui m'a mis les apprendre. On t'écoute. Comment j'ai fait ça, Fanta? Mais les autres, c'est... À cette époque, je ne pensais pas que tu pouvais être une menace pour moi. En plus, j'ai gagné beaucoup d'argent en revendant ce terrain à ce temps. C'est de l'injustice? Tu es un vrai traître, ma fille, et pourtant j'ai payé tout ton argent. Je suis capable de faire tout pour garder ma place au pouvoir. Sans ce projet, les personnes sur lesquelles tu comptes ne voteront jamais pour toi. Mieux de retirer ta candidature, jeune fille. Ça jamais. Fanta, allons-y. On n'a plus rien à faire. Oui, partez. Si tu m'avais écouté là, tu ne serais pas là aujourd'hui en train de pleurer. Ah, les filles, vous êtes là. J'ai appris la nouvelle. Depuis hier, Mario et Bafi sont en train de raconter partout que tu n'as pas de projet et que tu vas renoncer à ta candidature. Et ce n'est pas tout. Quelques femmes de mon association ont aussi décidé de ne plus voter pour toi à cause des rumeurs qu'elles ont entendues. Vous vous imaginez que le bureau des électeurs aussi m'a appelé ce matin pour me demander de présenter un nouveau programme? Je n'en ai plus. Je crois que Bafi avait raison. Je ne serai jamais le maire de la commune de RDO. Et Fanta, es-tu devenue faible à ce point? Il n'est pas encore temps de baisser les bras.
C'est maintenant que nous devons assumer notre responsabilité en tant que citoyens de cette commune. Guénéba a raison. Tu t'abandonnes maintenant. Cette cité sera plongée dans la corruption, l'achat de conscience et l'irresponsabilité à jamais. Tu es l'espoir des jeunes, des femmes et des enfants de cette commune. Je crois que vous avez raison d'une part. Ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui, c'est de sensibiliser et de convaincre la population pour qu'elle adhère à notre projet. Avec ça, c'est sûr qu'on va gagner les élections. Oui, tu as raison. On va procéder comme ça. Mais pas de problème. C'est ce que mon concurrent Bafi m'a fait pour que je retire ma candidature. La construction de cet espace vert était l'un des projets phares de mon programme. Aujourd'hui, je vous demande de m'aider à combattre contre cet acte odieux en me donnant la chance de participer au second tour des élections. Nous vous accordons cette chance à condition que vous trouviez une solution pour récupérer le terrain. Et dans le cas contraire, vous devez nous présenter un nouveau programme 3 jours avant le deuxième tour. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Merci. Voilà. Bienvenue à tous. Vous avez tous été conviés à cette rencontre pour une bonne cause. Je suis devant vous aujourd'hui pour défendre ma commune, pour dénoncer la corruption, l'achat de conscience. Je suis là aujourd'hui pour assumer mes responsabilités. Il y a de cela 5 ans que nous avons élu un maire pour aider cette commune à se développer. Je crois qu'il est temps de faire un bilan afin de voir ce qui a changé durant ces 5 bonnes années. Depuis quelques jours, vous attendez dire que j'ai retiré ma candidature. Non, ce n'est pas le cas. Bafi, l'actuel maire de cette commune, a mis mon projet le plus phare à l'eau pour que je puisse retirer ma candidature afin qu'il gagne. Je vous ai appelé pour prouver à Bafi que je n'abandonnerai pas parce que j'ai le droit de me battre pour l'évolution de ma commune en tant que femme et en tant que bonne citoyenne de ce village. Vous êtes nombreux à avoir accepté les cadeaux de Bafi, mais il n'est pas trop tard. Je vous invite à faire désormais le bon choix. Il n'y a pas question déjà ni d'âge. Choisissez la personne qui est prête à vous accompagner dans la construction de votre commune. Merci. J'ai tout compris maintenant. Désolée, mademoiselle Damélie. Je suis à présent prête à investir dans votre projet. Merci énormément, madame. Elle croit que son discours d'hier va l'aider. Personne ne va voter pour elle. J'en suis sûr. Veuillez lever les mains ceux qui veulent voter pour Fanta. Deux voix pour Fanta Dambélé. Maintenant, veuillez lever les mains ceux qui votent pour Bafin Tsamaki. Trois voix pour Bafin Tsamaki. Nous déclarons Fanta comme maire de la commune de Herelou. Monsieur Bafi Tsamaki, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et vente illégale. Vous, Monsieur Maroufi Koulibaly, vous êtes en état d'arrestation pour complicité. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Amenez-les. Fanta, s'il te plaît, épargne-moi la tournée. Je savais qu'on allait y arriver. Je savais qu'on pouvait le faire.